Bah alors. Je peux pas m'accrocher là. Ah non, ouvre pas ton parachute. Non, ça va, je suis pas tombée trop haut. Je suis allée trop loin. Carte magnétique. Yeah.
On va aller voir Skylar. Pas avec eux. Alors déjà, je t'aime bien. On crèverait tous de... Allez, on y va. Les secours sont en route, j'en suis sûr. Par ici. Aidez-moi. Allez, debout. Merci. Merci beaucoup. Il est casse-pied l'autre avec son avion là. Hein.
Je suis foutu. Merci beaucoup. C'était vraiment cool, c'était fini. Voilà, il ne reste plus que 6 personnes à libérer. Personne à droite, personne à gauche. Par contre, là-bas, il y a des connards. Bouge-toi, je veux seulement ma canne à pêche. Dommage. J'essaie de nous sauver, pauvre con. C'est pas la peine. On doit obéir aux ordres. Sinon, la secte va nous buter. Mon connard de copain, ma canne à pêche. Il veut pas me la rendre. Aidez-moi à la récupérer, d'accord? Vous avez des armes, non? Allumez un peu ces affaires, histoire qu'il flippe un peu. Bousillez sa guitare. Tiens, on va essayer une nouvelle flingue. Fait la secte dans les parages, j'arrive pas à croire qu'il pense qu'il peut s'en tirer en rejoignant ce club de psychopathes. Il comprend vraiment rien. Je fais tout pour qu'on puisse s'enfuir. Il y a un énorme poisson qu'on appelle l'amiral, et celui qu'il pêchera décrochera le gros lot. Si je le chope, on pourra se barrer de ce trou à rats. Dylan est vraiment un crétin. Oh, j'ai besoin de me détendre un peu. Pour moi, il y a que la pêche qui marche. Ça vous dirait de venir avec moi? J'ai besoin de compagnie. Et puis je pourrais vous apprendre des trucs. Bah ouais, un petit peu de pêche. Avant, je venais pêcher ici avec des potes du lycée. Des glacières remplies de bière et un bateau. C'était la belle vie. Mais ils ont tous disparu. Soit ils ont rejoint Eden's Gate, soit... Bah, vous savez. Dylan et moi, on est les derniers. Ici, c'est Widow's Creek, un nom charmant. C'est parce qu'une femme y a noyé son mari. Faut dire aussi, il la trompait, donc il l'avait un peu cherché. Enfin bref. Vous voyez ces moucherons? Cette éclaboussure? Ça veut dire qu'il y a des poissons à attraper. Hé, hey, vous avez une canne. Tentez votre chance. C'est sympa ici. Ça m'apaise.
Dès que je suis au bord de l'eau, j'oublie presque ce qui se passe dans le reste de la région. Enfin, pendant un temps. Bien, bien. Là-bas. Il est beau, mais ça vaut pas la miraille. Une vraie légende, celui-là. Il aurait dans les 200 ans à ce qu'on. Et toutes ses dents pour mordre. Il y a une récompense à la marina des Drumman pour la personne qui l'attrape. Et ça sera moi. Cet argent, c'est notre moyen de filer d'ici. Vous avez du talent. Vous commencez à vous débrouiller. Entraînez-vous et peut-être que j'aurai de nouveaux conseils pour vous. Et merci d'avoir écouté mes histoires. Des fois, c'est sympa de pouvoir déballer ses problèmes, pas vrai? Mais voilà. Alors... Tiens, bah, il y a un avant-poste là, on va le... Attends. Je vais faire la cage de survivaliste en premier. Alors, la clé du coffre est toujours manquante. Je vois la cible. Oublié.
vois plus du tout, les amis. Reviens. C'est bon. Je vais aller faire l'avant-poste qui est là-bas. J'ai la cible en visuel. La mort vient du ciel. C'est bon, vous avez débarrassé de l'autre là? Alors.
Attendez, je fasse le tour. J'arrive pas à voir où est le poteau. Bon, toi, t'arrêtes de tirer avec ton truc là. Bien belle journée pour prendre une balle. Avec nous.
Voilà. J'ai beaucoup en... Ils sont beaux les poissons. Alors. On va détruire les leurs à lui. Mais avant, on va retourner voir Skylar. Les gens d'ici connaissent tous les recoins de ces collines. Eden Skate n'est pas sorti de l'auberge. L'amiral est sacrément difficile à choper. Je me disais que ce serait plus simple qu'on s'y colle ensemble. Même si on partage la récompense, il restera bien assez pour Dylan et moi. Ça vous tente ? Mais chaque chose en son temps. Faut d'abord qu'on améliore votre technique. Vous avez du talent, mais l'amiral, ça déconne pas. Ramenez-moi un esturgeon et je vous prendrai au sérieux. J'ai indiqué mes coins de pêche préférés sur votre carte. Mais il vous faudra un appât spécial. Retrouvez-moi au hangar des claguettes quand vous pourrez et on s'occupera de l'amiral. Mais préparez-vous, ça va être une putain de lutte. Cet enfoiré a un sacré paquet de dents. Non, je veux pas savoir ce que c'est un esturgeon. Alors... on va aller là... ça c'est quoi ? Une voie armée... Allez, on va y aller à pied. 2 minutes... 2 minutes 25. Bon, on va attendre.
passer loin. J'ai vraiment hâte que les combats s'arrêtent. Voilà, tout est plein. Alors, est-ce qu'il y a une route pour aller là-haut ? Vous ne survivrez pas. Alors autant nous suivre. On va mourir.
Eh, hey, boomer! C'est où? C'est... C'était ici, voilà.
je vais monter. Ça sera plus simple par là. Qui pourrait être n'importe où. Ils ont pas pu aller. Des leurs détruits. Continuez, officier. Un peu dans le rocher, quoi. Il y a rien.
dernier, il est ici. Alors attends, c'est vous. Montez, hein.
Jacob Seed est à votre hausse, il est temps de l'éliminer. Oh non, 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 non. Dodo. Aïe. T'en fais pas, tu seras bientôt loin d'ici. Tu pensais être libre? Comme tes camarades, s'est donné beaucoup de mal pour rien du tout. C'est pas très grave. Ça lui apprendra. Je te l'ai dit, t'as rien d'héroïque. T'es juste utile. Tu vois, c'est ça ton destin. Mais tu le connais depuis le début. Et c'est reparti. Excellent. Je commence à connaître le chemin par cœur là. Tu l'as tué, enfoiré! Attends! Comment t'as pu faire ça? Où était
te faisait confiance. C'était pas elle. C'était Jacob. Non. Écoute-moi. C'était Jacob. Tu sais bien que c'est lui. Ronnie. Parker. C'est toujours comme ça. On laisse faire à chaque fois. Jacob. Collez-lui une balle. Ou la prochaine fois que je vous vois, je vous préviens, je vous tuerai moi-même. Oh merde, on a tué... Cassez-vous. Ne lutte pas. Laisse-toi aller. Tu m'as bien servi. Attends. Voilà. Tu es plus forte que tu le crois. Mais tu auras beau me tuer, ça changera rien. Tu crois que ça me fait peur de mourir? C'est mon seul objectif. J'offre ma vie à Joseph. Et je le fais donc. Je sais quel rôle je joue. Je suis son sacrifice. Ce n'est pas plus compliqué. Les loups t'encerclent déjà. C'est une chance de faire ses preuves. Il suffisait juste qu'il me cède ses White Tails. Ça nous aurait épargné bien des ennuis. On sait ce qui arrive aux faibles. Admettons que tu t'en sors. Et ensuite, tu retourneras à défendre la veuve et l'orphelin. Les White Tails ne sont rien sans Ellie. Et toi non plus. Tu n'es rien sans lui. Thank you.
trouve pas ça drôle. Et tous les gens qui te laissaient d'aider s'en sortent encore plus mal. Ellie. Ah! Tu es une tragédie ambulante. Si tu voulais vraiment protéger les gens, jouer les héros, tu te donnerais la mort. Ce serait plus sûr pour tout le monde. Ne lutte pas. Laisse-toi aller. Tu m'as bien servi. Casse-toi. Mon frère avait tout compris. Je sais pas s'il parle au Seigneur. C'est pas important, il a vu juste. L'humanité est à nouveau en crise. Peu importe ce qu'on peut faire ou construire, on trouve toujours un moyen de tout détruire. Babylone, Rome,
Les empires se font. Les empires se défont. Et pour l'Amérique, ce sera pareil. On se croit tellement invincible. Les guerres mondiales, le terrorisme. On croit survivre. Mais ça nous rapproche juste un peu plus de l'abysse, et cette fois, on y est. On est pile à l'heure. On attend juste que quelqu'un nous pousse. Et putain, tu pousses de toutes tes forces. T'as fait exactement ce qu'il attendait. Et tout ça sans même t'en rendre compte. T'es tellement... prévisible. Bon ben voilà, Jacob, c'est réglé.